Yo, salut, c'est Bags. J'ai décidé de faire un podcast. Ça va s'appeler Deux trucs. Deux trucs, deux trucs. Tchou, La 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 la. Deux. Salut et bienvenue dans cette première édition de. Hey, salut. Hey, salut. Bienvenue dans. Hey, j'ai bienvenue dans deux trucs. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans la première édition de deux trucs. Et comme j'ai pas vraiment prévu d'introduction, ok, je vous le dis direct. Eh, c'est normal, ben, je vous le dis comme ça, ben, direct passer au. Premier truc! Alors, le premier truc, qui est en fait un multi-truc, c'est tout simplement pourquoi? Ça va, c'est une bonne question. On commence par un premier truc. Le premier truc, c'est pourquoi? C'est un putain de sacré truc, excuse-moi de te le dire. Franchement, comme dirait le doc. Mon but, c'est d'élargir notre perception de l'humanité, d'où nous venons, où nous allons, les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses. Peut-être même trouver une réponse à cette éternelle question. Pourquoi? Pourquoi? J'entends déjà les gens demander d'ici. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est des pourquoi de. C'est bien simple, je vous laisse prendre des notes. Premièrement, David Pujadas, parce que je fais un peu ce que je veux déjà. Non? Bah, il y a des lois quand même. Arrête. Bah ouais, tu sais qu'en France, tu peux Ah avoir. ouais. Eh, mais tu joues mal en fait. Deuxièmement, David Pujadas, pourquoi ça va s'appeler deux trucs? Ça va s'appeler deux trucs parce que, premièrement, David Pujadas, eh ben on va parler de deux trucs. C'est fou, hein? Je trouve que c'est intéressant de le savoir, au moins autant que de savoir que c'est possible de gober des saucisses et de les recracher. Shooter. In the Northwest, I've never seen nobody be able to do this. I can do it quick. Okay? Watch this. I'm just saying. Cliquez de malade, ça sert à rien de le savoir. De le faire non plus. On va parler de deux trucs. Et ça, c'est le scoop de cette vidéo. Ça va s'appeler deux trucs parce qu'on va parler de deux trucs à chaque fois. C'est quand même une idée. Deuxièmement, David Pujadas. Je regarde pas mal de podcasts parce que. Bah parce que j'aime bien. Et j'ai remarqué qu'il y a deux types de podcasts. Premièrement, David Pujadas, il y a ceux où il parle d'un sujet. Cyprien, Minute Papillon, Mister V, Hugo, Le Frisé, Norman, Tom Lee. Deuxièmement, David Pujadas, il y a tous les autres où il parle de trois sujets. Il y a What the Cut, et puis en fait, il y en a qu'un. Mais il y a personne. Quand je dis personne, c'est zéro. Personne qui parle de deux sujets. C'est quoi le. C'est vrai, il y a trois sujets, un sujet. Bim, pam, poum, on fait un podcast. Qu'est-ce qu'il y a? Deux sujets, qu'est-ce qu'il y a? On fait un podcast. Bags est sur le coup. Il faut parler de deux sujets. Moi, je m'en occupe. Deux sujets, je fais un podcast. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parti. Troisièmement, David Pujada. J'ai dit c'est deux trucs. T'es con ou quoi? Deuxième truc! Je sais pas s'il y a des artistes parmi vous, même en herbe. Des artistes en herbe, c'est un truc auquel n'importe qui peut participer. Quand je dis n'importe qui là, c'est n'importe qui. N'importe qui! Attends. Ça veut dire même si Lady Gaga vient, elle peut participer? Ouais. Ça a l'air pourri ton truc. Bref. N'importe qui. Attends. Ça veut dire même, mettons un type et les clochards? On s'en fout? Ouais. Bien, n'importe qui peut participer. Attends. Ça veut dire même si Dieudonné il se ramène déguisé, il y a tellement n'importe qui peut participer à ce truc que moi j'y participe de temps en temps en tant que rappeur. Parce que moi, à la base, je fais du rap. Au cas où tu serais pas au courant. Il faut de Marco Mike et pour ça pas besoin de Nike. Sauvage, fuck les cages. C'est du côté de l'orage en hommage à tous ceux qui sont rouges de rage. Je nettoie les inconscients mais incognito. T'as l'esprit ouvert, ben moi j'y glisse un cogito. Le beat, le bon Mike t'électrise. Le hobby te fat te maîtrise, te méprise. Tu crises quand je te vexe mais ça tourne dans ma tête comme un fou dans l'arène. C'est flou et pas net, viens faire un tour de manège. Tu peux décider. D'en mettre un détail pour ça décéder, omelette avec tes entrailles. Bande dessinée, je pèse les mots comme 13 les faux. Fais gaffe, tu vas grave halluciner. Tu peux dire tout, penser bien faire et froisser un frère.
finir au fond d'un trou. Tu peux. Tu fais ce dégo, non, c'est du ciné. Tu check des gros et la ferme avec ta dulcinée. Si tu veux aller checker mes sons et mes vidéos, fais-toi plaisir. C'est quoi le deuxième truc? Le 16 de la semaine, c'est une idée toute simple en fait. C'est un groupe Facebook, il poste une instru qui te donne un thème de la semaine. Et juste ça, t'as une instru qui te donne le samedi. Non, je déconne. Alors, chaque samedi, dans le groupe Facebook, il poste une instru téléchargeable d'à peu près 16 mesures avec un thème. Et le but, c'est de rendre une vidéo le jeudi suivant. Comme ça, du jeudi au samedi, les gens, ils like. Et le samedi, quand le gérant, ça fait bien, voilà, le mec qui gère, il met la nouvelle instru, il marque en même temps, c'est lui qui a gagné. Et au moment où il dit ça, toutes les semaines, tu gagnes un chèque de 100 000 euros. 100 000 euros, t'as tous tes potes qui débarquent chez toi, de la boisson à fumer, ils ramènent du son, c'est la guinguette, il y a des célébrités qui viennent, il y a des gens que tu connais pas, qui sont moches. Ah, on me dit dans l'oreillette que non, finalement, il n'y a plus les moyens nécessaires. Non, faudra monter la vidéo, hein, faudra couper après, c'est lui qui a gagné. Alors bon, oui, c'est vrai, je sais. C'est des instru hip-hop, donc pour l'instant c'est que des rappeurs qui posent dessus. Mais la seule règle vraiment du truc, c'est de rendre une vidéo avec une instru et le thème. C'est juste des gens qui donnent des instrus qui font, et du temps à eux, pour qu'on se tape tous un gros kiff tous ensemble. Donc je trouve ça cool, big up à eux. Fraîchement, l'ambiance est sympa. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Ramenez-vous. Voilà, donc je pense qu'on peut dire que c'était la première de deux trucs. Hein. J'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à réagir, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager la vidéo. 0,0 centimes d'euros la minute depuis votre ordinateur. Ça c'est bien ça, partager la vidéo c'est bien. Sur ce, je vous souhaite une belle et longue vie, parce que je suis un mec cool. Cette passion, elle est inaltérée, parce que David Pujadas, elle est inaltérable.